Monique qui nous dit que l'orgasme vient uniquement par le clitoris. Toutes les femmes qui disent avoir un orgasme vaginal uniquement mentent et simulent. Quoi, il y a des femmes qui simulent. Mais bon, effectivement, le clitoris a une part qui est très importante dans le déclenchement orgasmique. Mais là encore, c'est pas qu'une question de mécanique, la dimension de l'orgasme. C'est aussi une dimension émotionnelle. Donc la manière dont on vit son corps, dont on vit l'intérieur de soi, dont on vit son rapport à son clitoris, tous ces éléments-là vont être déclencheurs orgasmiques. Donc il n'y a pas des choses impossibles ou systématiques. Non, je crois que c'est important de dire que nous ne sommes pas une mécanique sexuelle, que ce n'est pas parce qu'on va frotter le bouton de telle manière qu'obligatoirement il y aura un orgasme. Il y a une participation de tout l'être, du cerveau, des émotions, de la sensibilité, de la culture, tout ça va jouer. Et donc, orgasme clitoridien ou vaginal, moi je trouve que cette espèce de clivage-là, il me paraît quand même caduque largement. Ouais. Quoi. Et puis, je pense aussi qu'il faut, d'un point de vue mécanique, préciser quand même que le clitoris a une partie interne qui est effectivement sollicitée par la pénétration. Donc il n'y a pas que simplement la sollicitation externe du clitoris, il y a une partie interne, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle pour les femmes excisées, hein, parce que si ce n'est que bien sûr, quand on a eu le sentiment d'être détruite, il faut une reconstruction psychique. Hein, voilà. Oui. Mais donc évidemment qu'encore une fois, je suis complètement Alain là-dessus, c'est que arrêtons de chercher le lieu qui fait quoi. Parce que dans la réalité, c'est une façon d'accueillir son corps et d'en faire quelque chose. Il y a des terminaisons nerveuses importantes au niveau du clitoris, il y a moins de terminaisons nerveuses au niveau du vagin, mais il y en a. Au niveau du col de l'utérus, il y en a. Et il y a des pénétrations selon le type de position que l'on adopte qui ne sollicitent pas nécessairement le clitoris et qui amènent à des orgasmes.